Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Nostalgique, j'espère du fond du cœur que vous allez bien et bienvenue dans cette quatrième update, je crois que c'est la quatrième si je dis pas de bêtises. Euh, une update en podcast, on a essayé de la faire en podcast pour plein de trucs, euh, la, pour plein de raisons en fait, la première d'entre elles étant la flemme. Euh... <laughs> il y a aussi le fait que, bon, Sam et moi on est séparés par 10 000 km parce que lui il est sur Paris, moi je suis à La Réunion. Donc, en termes de logistique, c'est plus simple. Et puis, de toute façon, euh, on le savait très bien que vous alliez euh, écouter cette vidéo et ne pas la regarder. Euh, voilà. Salut, Sam. Comment tu vas Salut. Bah écoute, je vais très, très bien. Bravo pour les 100K. Oui. On, mais... est, on est aussi là pour les, les célébrer. <laughs> Tout à fait. Euh, donc, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, ou qui ne lisent pas les crédits, ou qui, qui skippent les génériques, c'est pire encore. Euh, honte sur vous. Euh, Sam est un petit peu le, le numéro 2 de la chaîne. Euh, c'est quelqu'un qui m'assiste énormément à l'écriture. C'est vrai que c'est quelque chose euh, dont je ne parle pas beaucoup, euh, dont je n'ai pas beaucoup parlé durant ces 5 ans de la chaîne. Mais aujourd'hui, on va en parler. On va parler du fonctionnement de la chaîne, on va parler des finances de la chaîne aussi, on va parler de l'avenir de Nostalgique, euh, on va parler du passé, de ce qui a changé dans les différents formats qui se sont euh, cristallisés, du style nostalgique qui s'est cristallisé aussi peut-être de l'impact qu'on a pu avoir sur d'autres créateurs et créatrices euh, qui aujourd'hui s'inspirent euh, de, de ce qu'on a pu y faire et qui le, et qui le, le brandissent hein, comme une inspiration, ce qui est très flatteur. Euh, et, puis, et puis aussi répondre aux questions qui ont été posées euh, sur Patreon, sur Tipeee, par les contributeurs, contributrices euh, récurrentes de la chaîne, euh, que je veux remercier, euh, bien entendu. On, on reviendra dessus, bien entendu, mais encore une fois... Euh, votre soutien est vraiment inestimable et c'est euh, pour cela que la chaîne Nostalgic existe toujours. A contrario, si je fais le raisonnement contraire, si votre soutien sur Patreon et Tipeee s'arrête, euh, Nostalgic s'arrête aussi. Voilà. Donc, euh, donc merci beaucoup. Et puis autre chose, ce qui me fait penser là, tout de suite je parle dans des tangentes, tangentes c'est insupportable, mais bon, voilà. Euh, on a réussi à faire 5 ans de contenu euh, et, et aujourd'hui j'en vis, je peux le dire. Euh, sans une seule fois faire de placement de produits ou de sponsorship. Et ça, bon. c'est quand, quand même une petite victoire euh, personnelle. <rire> <rire> mais... Ouais, mais, bah, merci au, au Patreon, hein, parce que c'est vrai, comme tu le disais, je pense que sans eux, bah, clairement, le niveau atteint par la chaîne aujourd'hui, euh, même s'il y a l'expérience qui joue hein, dans le montage et tout, et généralement, les, les commentaires sont très positifs là-dessus, mais c'est aussi... Euh, grâce aux, aux Patreons qui t'ont permis d'acheter du matériel, euh, qui qui ont, bah qui sans qui euh, tout ça serait impossible en fait. Ouais, ouais. bah c'est juste que en fait je, je ne me, je ne pourrais pas me payer en fait. Et à partir de là euh, au bout d'un moment c'est très bien de faire Youtubeur pendant six mois euh, en ne se payant pas. Il euh, y en a qui font ça pendant plusieurs années hein, et qui qui survivent. <laughs> c'est un peu la réalité de ce métier. Mais euh, mais le fait que je puisse aujourd'hui en vivre, alors j'en vis pas, je, je suis au SMIC, hein, voilà, ce qui est déjà exceptionnel hein, pour, dans ce métier, euh, mais le fait que j'en sois là aujourd'hui et que je puisse même, et ça on y reviendra, euh, mettre un petit peu d'argent de côté pour payer des personnes extérieures à la chaîne euh, pour qu'elles qu apportent des contributions diverses et variées, c'est quand même une situation qui est, qui est franchement exceptionnelle, qui n'est pas une fin en soi, je pense qu'on peut faire mieux. Et encore une fois, on y reviendra. Je vais arrêter de teaser la suite et on va peut-être rentrer dans le vif du sujet, en fait. <laughs> Comme tu veux. <laughs> ouais. Donc, on va. Non, parce qu'il y a peu de questions, euh, mais c'est des sujets qui, je pense, euh, amèneront pas mal de, de discussions, de va-et-vient. Donc, euh, donc, on va passer à vos questions. Je pense que c'est le bon moment pour le faire. Avant toute chose, avant qu'on le fasse, parce que Samuel l'a dit, mais je ne sais pas si je l'ai dit du coup. Merci. Je le redis. <laughs> voilà, je le redis. Je, je, je n'arrêterai jamais de tous. le dire. Voilà, Merci à tous, merci à toutes pour votre soutien, que ce soit le petit j'aime, le commentaire. Je, je le dis jamais dans les vidéos, mais euh, vous le savez en fait. Ma, ma philosophie, ça a toujours été de se dire que si le contenu est suffisamment bon, euh, tu n'as pas à demander aux gens de mettre un j'aime ou de commenter ou machin, ça se fera tout seul. Et la chaîne Nostalgie, pour moi, c'est quand même une preuve que ça fonctionne, ce genre de fonctionnement, de vous faire confiance. Pour porter ce genre de contenu, pour soutenir ce genre de contenu, financièrement ou pas, bien entendu, financièrement, bah, c'est le, le, le soutien si le vous plus pouvez. important. Oui, si vous pouvez, bien entendu, vous ne vous foutez pas dans la merde hein, pour nous. Euh, donc merci, merci infiniment. Euh, je ne pense pas que toi, moi, je ne m'attendais clairement pas à en arriver là un jour. <laughs> ouais, non, bah, surtout euh, en 5 ans. Ce qui ouais. me paraît quand même assez, enfin ce qui est passé en, en un clin d'œil, hein. euh, oui. je me souviens des débuts de la chaîne, euh, c'était pendant le Covid, euh, oui, tout avril fait. 2019. Et, euh, et a a un petit peu avant mal. le Covid quand même. Un peu avant le Covid Oui, 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 le Covid, c'était 2020, T'as raison. Ouais. Euh, je me souviens. <laughs> et, euh, et on t'a pas mal et se dire que cinq ans après, euh, on est déjà à 100 k euh, avec le, le petit trophée qui va bien et oui, que oui, toi oui. tu puisses en vivre. Qui, qui est arrivé est... hier d'ailleurs, le petit trophée. Si vous êtes sur le Discord, vous avez vu ah. des photos. <laughs> c'est magnifique. Mais d'avoir justement cette, cette reconnaissance de la communauté, des gens, etc., qui partagent, etc., comme tu le disais, sans avoir besoin de leur demander. Et je pense que c'est une bonne chose d'ailleurs de ne pas insister sur les mettez la cloche, ça, tout le monde le sait maintenant, et ceux qui le font. Euh, ceux qui ont envie le font et c'est pas parce que tu le dis que d'autres le, le font. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et ça va aussi pour euh... les bloqueurs d'une certaine façon. Ma, ma philosophie ça a toujours été euh, vous voulez foutre des adblocks sur les vidéos de nostalgie, ben faites-vous plaisir. Euh, oui. Ceci dit, soutenez la chaîne par d'autres moyens si vous le faites quoi. <laughs> si vous le pouvez. Si vous, oui, pouvez, si vous le pouvez encore une fois. Bien sûr, bien sûr. Et euh, ouais, voilà. Très bien. Eh bien, euh, allons-y sur les questions du coup. J'ai envie de te dire. Alors. <laughs> je, je sors mon, mes fiches de questions. Alors, Un question indice chez vous de... <laughs> Oui, Julien Lepers. <laughs> Alors, question de Léacide. C'est précaire comme situation, ça, vidéaste essayiste <rire> <rire> Salut Léa, euh, j'espère que tu vas bien alors oui, c'est précaire pour une extraordinaire majorité des gens. Et bon, bah, c'est une, enfin, une bonne coïncidence qu'elle pose la question, parce que de toute façon, je comptais vous en parler de, de, de ma situation. Euh, déjà, alors, sur cette question de transparence, euh, les gens de l'équipe, les gens que je, que je considère comme maîtres de l'équipe, à savoir toi, Niels, Milan, euh, et d'autres intervenants, vous avez votre job, hein, concrètement. Euh, oui, on travaille à côté. Hein. Voilà. Euh, moi, je suis la seule personne qui est à plein temps sur Nostalgique. Donc moi, c'est Quentin. <laughs> Bonjour, enchanté. Euh, Bonjour, Quentin. Voilà. <laughs> je suis là aujourd'hui pour vous parler d'argent. Euh, <laughs> euh, donc, le Patreon euh, ou la chaîne YouTube, etc., ce sont des choses qui me payent moi. Ceci dit, de toute façon, si vous faites le calcul que vous allez voir le, combien je gagne sur Patreon et que vous faites le calcul à peu près avec les vues de YouTube, euh, si on était quatre personnes, voire plus, sur ce, sur ce Patreon-là, à tenter d'en vivre, on n'en vivrait pas euh, concrètement, euh, ça serait tout simplement impossible. Donc ça me paye moi. Ceci étant dit, j'ai atteint un point où je peux mettre un petit peu d'argent de côté. Euh, alors déjà, bien entendu, pour, euh, pour mes vieux jours, non, pas, 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 pas vraiment pour mes vieux jours, mais pour acheter du matos, bien entendu, ça on l'a déjà dit. Mais aussi, et ça c'est quelque chose que j'ai commencé à faire cette année, euh, aller chercher des perspectives nouvelles. Euh, aller chercher. de Vous avez vu cette année beaucoup de personnes en coécriture. J'ai eu beaucoup de coautrices, enfin beaucoup. J'en ai eu quelques-unes, quoi. De coauteurs, de coautrices. Ces personnes généralement quand elles sont au crédit, c'est qu'elles ont contribué au script de façon significative. Elles ont apporté des recherches, elles ont apporté de la documentation, elles ont apporté des perspectives que moi j'aurais pas pu apporter. Et ces personnes-là généralement sont payées. Et si elles ne le sont pas à minimum, on leur a proposé de les payer. Alors. On ne les, euh, de, 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 on les, on les paye pas des milliers de des cents parce que je n'ai pas de 1200, mais le Patreon et d'autres choses, on y reviendra, euh, permettent de faire ce genre de choses. Et ça, c'est extrêmement précieux. Euh, et et le, contenu, euh, le contenu, en fait, euh, je, je trouve euh, décuple en qualité. Parce que moi, avec ma petite vision des choses, je ne peux pas spécialement tout cerner. Euh, je pense à Tetris, par exemple, sur l'histoire de Bonolith Soft. Euh, sur la vidéo Xenoblade Chronicles X, euh, je pense à la perspective de Lise Sombre-Ciel euh, sur la vidéo sur, euh, sur les hommes, enfin, euh, le jeu vidéo, une affaire d'hommes. Euh, et puis, il y a bien, de, bien des choses qui sont en préparation euh, pour l'avenir, de, de ce point de vue-là. Euh, je vais essayer de pas trop spoiler dans cette vidéo. <laughs> mais, oui, mais oui, voilà. oui, 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 je trouve ça euh, génial. Bah, déjà, comme tu l'as dit, je pense que comme les, les gens commencent à le savoir, donc on travaille en, en groupe. Ouais. Euh, même si tu restes le moteur, évidemment, mais voilà, on est autour pour euh, euh, intervenir sur différentes parties des, des vidéos. Et, euh, et aussi, c'est hyper intéressant d'avoir d'autres créateurs de contenu dont c'est aussi le vrai métier, euh, qui connaissent aussi sur le bout des doigts les, les jeux vidéo, qui amènent, comme tu me disais, une perspective différente, euh, qui font bah, des collabs euh, qui fonctionnent bien et des vidéos qui se, qui se renouvellent aussi. Tu vois, ouais. parce qu'au bout d'un ouais, moment. Au bout de cinq ans, même si euh, la chaîne a réussi à se renouveler, genre après je suis mal placé pour le dire, mais par rapport au début, quand même, on sent qu'il y a une évolution. Oui. Euh, mais en plus, le fait d'amener des regards extérieurs quasi systématiquement, ou en tout cas de plus en plus, euh, permet vraiment de ne jamais euh, réussir à prédire ce qui va sortir. Ouais, Avec, pas ouais, toujours le même succès selon les vidéos, mais ça c'est normal, c'est le jeu de l'algorithme. Mais en tout cas, c'est bien et on essaye justement euh, de bah déjà de payer les gens, euh, de leur oui. proposer et euh, ouais d'avoir euh, euh, soit des, des collègues euh, qui reviennent deux trois fois euh, parce qu'ils ont voilà, une expertise euh, qu'on aime bien un regard qu'on aime bien, mais aussi d'aller chercher des nouveaux, euh, euh, pas forcément euh, aussi connus ou en tout cas avec une chaîne où il y a beaucoup d'abonnés. Et c'est et c'est euh, bénéfique à, à tout le monde, tu vois. C'est un bon système, mmh. je trouve. Ouais, de fou, de fou, de fou. Euh, la prochaine étape de, de, de la réponse à la question, c'est comment moi j'arrive à me payer, comment moi j'arrive à atteindre le speak. Donc, euh, c'est une accumulation de beaucoup de choses. Donc, bien entendu, il y a YouTube. <coughs> Excusez-moi. Euh, alors YouTube. Je étranglé en y pensant. <laughs> <laughs> Pardon, ça va être une vidéo. On va discuter aujourd'hui. Ça hein. c'est un vieil ami, donc euh, donc voilà, on n'est pas sur quelque chose de formel. J'espère que vous vous détendez bien, que vous avez un petit café, que vous écoutez ça en, en background. Il euh, y a YouTube, mais effectivement, je m'étrangle en y pensant parce que YouTube, en fait, me rapporte pas grand-chose fondamentalement. Pourquoi Parce que certes, la chaîne fait des centaines de milliers de vues par mois, ce qui est formidable, euh, mais il y a deux aspects à ça. Déjà, je ne publie pas souvent des vidéos sur la chaîne principale. Euh, c'est une vidéo par mois grand max et ces derniers temps je me lance dans des, dans des vidéos qui demandent parfois trois ou quatre mois de production donc euh, ce rythme euh, se réduit et euh, donc ça ça YouTube n'aime pas hein, concrètement en termes de, de monétisation et le deuxième versant de ça c'est que je ne monétise pas du tout quasiment hein. il y a une pub généralement si une vidéo fait 30 minutes il y aura une pub euh, au début une pub à la fin éventuellement une pub au milieu et ça euh, même si vous faites 100 000 vues ça ne va pas vous rapporter grand chose dites-vous que si je devais chiffrer ça, un bon mois, pas un mois exceptionnel, mais pas un mois nul non plus, parce qu'il y a des mois nuls et des mois ex exceptionnels, mais un bon mois, un mois médian de YouTube, ça me rapporte 300 balles. Ce qui est très bien en soi, euh, mais c'est on n'en vit pas. <laughs> Par-dessus YouTube, du coup, il y a vous. <laughs> il, y a, euh, il y a Patreon Tipeee. Patreon Tipeee, euh, ça me rapporte euh, actuellement quelque chose comme 500-600 euros par mois, si on ne compte pas les marges que font les plateformes. Euh, alors c'est très très bien et c'est surtout très appréciable dans la mesure où, et ça je l'ai toujours dit, euh, c'est assez contre-intuitif de penser comme ça, mais c'est un revenu qui est stable. C'est-à-dire que là où le revenu de YouTube ou le revenu de, je sais pas, Twitch ou d'autres plateformes est par essence très volatile, le revenu de, de, des plateformes, euh, il est stable. C'est-à-dire que la plupart des gens vont rester 2, 3, 4 mois, voire 6, voire un an, voire deux ans. Euh, ils ne vont pas rester ad vitam aeternam et c'est normal, hein, les gens ont autre chose à faire de leur fric à un moment donné, euh, mais, mais en fait c'est extrêmement précieux parce que ça crée une certitude financière qui me permet moi, euh, en termes de calcul et en termes de projection, de voir un petit peu plus euh, que le court terme et, et c'est une sécurité en fait qui est, qui est folle, euh, voilà. Et par-dessus le marché, parce que là, si vous avez fait le calcul, on n'est pas du tout au SMIC, <laughs> concrètement. Par-dessus le marché, du coup, j'outsource mon travail de montage. Donc là, c'est juste moi, euh, clairement. Euh, mon travail de montage, euh, notamment. Alors, il m'arrive de prendre des contrats, ça et là. Euh, mais le, le, la plus grosse tâche que j'ai fait en continu depuis deux ans, c'est euh, l'écriture et le montage. Et donc, les captures aussi sur une chronique euh, sur la chaîne RTBFXP. Sur euh, YouTube, euh, sur une chronique qui s'appelle Dernière Game, que qu'on met en place avec Simon Puech, que vous connaissez, j'imagine, qui est à la caméra. Donc, moi, je suis un peu l'homme de l'ombre sur cette chronique, c'est-à-dire que euh, je choisis une, la majorité des sujets, je les écris, je capture les jeux, euh, je monte euh, je monte le, le texte de, de, de Simon, je fais le dérochage, le mixage audio, etc. <laughs> je passe le balai des fois, voilà. Euh... <laughs> Euh, et, et ça, bon, ça me prend un temps qui est fou, <laughs> clairement. C'est un temps que je pourrais consacrer à la chaîne, euh, mais ça me permet de, de rapporter un petit peu plus d'argent, et ça, c'est toujours appréciable. Et ça me permet, du coup, en cumulant tout ça et d'autres choses encore, comme euh, je fais un taf notamment de miniatures euh, pour Origami, pour et ceux, ceux qui ne le savent pas, le média donc de Gotose et de du perfid'Albion Bion, etc. Héloïse et Linossier, enfin voilà, vous, vous voyez. Euh, et tout ça, ça me permet donc tous ces petits boulots de cubuler et d'atteindre le SMIC. Alors, est-ce que c'est très bien Oui. Je suis très content de pouvoir dire aujourd'hui que je vis de tout ça. Est-ce que c'est complexe en termes d'heures de travail Oui. <laughs> c'est un rythme qui est assez effréné et euh, ça fait très très longtemps. Je me souviens plus du dernier week-end que j'ai pris. Bref. Est-ce que ça pourrait être mieux Oui. Et ça sera la conclusion, je pense. Comment faire en sorte que ce soit mieux eh ben mon but à terme, c'est quand même de faire grossir au maximum le Patreon et le Tipeee, tout particulièrement le Patreon, parce que c'est une plateforme que je préfère en fait à l'utilisation, histoire de faire en sorte que je sois totalement indépendant, c'est-à-dire que je n'ai plus cette nécessité d'aller chercher du, du boulot ailleurs que sur ma chaîne et que la chaîne et donc fondamentalement le Patreon soit suffisante, soit suffisant pour euh, me soutenir intégralement et me payer convenablement. On n'y est pas encore. Euh, je ne sais pas si j'atteindrai l'objectif un jour, mais, euh, mais tout ça pour dire que en fait c'est quand même des plateformes. C'est des plateformes que je pousse quasiment pas, hein, euh, à vrai dire. <laughs> je mets une petite pension en début de vidéo, puis ça s'arrête là, quoi. Mais, euh, mais c'est vraiment un objectif que je pense qu'en fait c'est la next step euh, si tu veux pouvoir en fait euh, m'affranchir du fait d'aller chercher du taf ailleurs. Ce que je continuerai à faire, je pense, mais euh, beaucoup moins histoire de consacrer beaucoup plus de temps à la chaîne. Parce que c'est vrai que bon, bah, j'aimerais bien publier plus de vidéos, j'aimerais euh, creuser des projets un petit peu plus euh, ambitieux, qui demandent plus de temps de travail, etc. Tant que je ne peux pas avoir pour l'instant. Oui, ça demande une passion et une organisation euh, qu'on n'imagine pas d'être sur euh, tous ces différents fronts à la fois. Euh, Parce qu'en plus, il y a deux chaînes euh, nostalgiques. Hein, oui, euh, sur oui. Il bon, y, y en a une qui, est plus, euh, qui a plus d'attention que l'autre. Mais c'est vrai que du coup, maintenant que j'imagine que tu allais y venir, mais... Euh, ce, qui, ce qui en a pâti, en fait, la soupape de sécurité qui a un peu sauté depuis que je bosse pour la RTBF, c'est le live, euh, concrètement. C'est Twitch. Est-ce que je prévois d'y faire quelque chose euh... <laughs> Est-ce que tu as le temps, en fait En fait, j'aurais le temps, mais, mais j'ai pas l'énergie. <laughs> Cette structure qu'on a actuellement, à savoir des lives très sporadiques, quand on a des événements, quand on a par exemple le non de 3 quand on a des grosses conférences, quand il y a quelque chose de vraiment exceptionnel que j'ai envie de commenter, etc., je pense que ça va rester comme ça pendant un moment. C'est l'équilibre que j'ai trouvé, c'est un équilibre qui est pas fou, je sais, mais, euh, mais on, va, on, va, on va tâcher de, de perdurer comme ça parce que moi je m'y retrouve. J'ai l'impression quand même que vous, vous y retrouvez, même si je sais qu'il y a des personnes qui apprécient les lives et qui ont envie de les voir revenir, mais, mais bon. Bref, on va passer à la question suivante. C'est bon, on a parlé de fric pendant 20 minutes. Maintenant que <laughs> c'est fait, on peut parler de créativité. <laughs> euh, question de Historien Atis. Coucou Atis. Je suis en mode Philippe Bouvard voilà. pour ceux qui, qui ont la référence. Euh, Est-ce que le fait de vivre de la création de contenu t'empêche en quelque sorte de faire des trucs dont tu aurais envie mais qui ne seraient pas rentables ou tu n'as aucune contrainte créative et yolo c'est parti Bah disons qu'il y a un spectre euh, en gros bah, Patreon, je vais juste dire Patreon hein, mais vous, vous comprenez c'est les plateformes ça, ça, ça nous permet clairement un, un, une marge d'erreur en fait quand une vidéo bide ça arrive quand un sujet est trop confidentiel ou quand un sujet juste euh, n'intéresse pas les gens on peut se permettre des échecs mais il y a aussi à côté, euh, bah, toujours une nécessité de faire grandir la chaîne, de faire grandir le Patreon, d'attirer de nouvelles personnes, de parler à un nouveau public. Euh, donc il y a un équilibre à trouver en fait entre entre des sujets qui on le sait ne seront pas rentables, qu'on qu'on veut traiter et qu'on va continuer de faire, qu'on va continuer de traiter, et euh, des sujets qui on le sait vont marcher quoi. Euh, et parfois on a d'excellentes surprises. Je pense par exemple à la la dernière grosse vidéo donc sur Signalis, qui était une vidéo qui avait été pensée pour être un petit peu le euh, le Kentucky Route 02, Kentucky Route 0, euh, donc euh, qui est une de nos vidéos les moins vues, mais à mon sens une des rares dans les, enfin, desquelles je suis fier. <laughs> euh, qui donc c'était voilà le but c'était on prend trois mois, on, on, on fait la vidéo rêvée qu'on a envie de voir sur tel jeu auquel une fraction de notre communauté a joué. Et Advienne que pourra, c'est vraiment un projet, un projet du cœur, quoi. Euh, parce que Signalis, moi en particulier, c'est un jeu qui m'a parlé comme, comme très, très peu d'autres. Et on a de bonnes surprises parce que, ben, euh, parce que le storytelling a euh, habitué une certaine audience à aller chercher des jeux un petit peu plus obscurs, un petit peu plus confidentiels, avec une narration euh, qualitative. Eh ben on, on fait quand même du chiffre. Donc euh, d'ailleurs merci hein, si vous avez apprécié cette vidéo parce qu'on n'avait pas du tout tablé sur son succès. Et, euh, et elle a cartonné, euh, comme, comme très peu de vidéos sur Signalise cartonnent. Donc euh, merci infiniment. Ça fait vraiment plaisir de lire vos commentaires euh, là-dessus. Donc euh, tout, tout ça pour répondre qu'il n'y a pas de, y a pas de, de réponse définitive en fait, sur, à cette question, c'est qu'on essaie de trouver un équilibre. Euh, et et jusque-là, on n'a pas été trop mauvais pour le trouver, j'ai l'impression. Hum, voilà, <laughs> oui, oui, oui. Et puis euh, bah, cette vidéo elle, elle permet de garder espoir sur euh, des sujets qui pourraient être abordés dans le futur où on se dit il ouais, y a quand même peu de chances que, que ça parle au plus grand nombre, mais, mais écoutez, on va moi... quand même le faire. Mais... <laughs> J'en je, parlais souvent en live. J'ai une vidéo que j'ai envie de faire un jour sur les forêts de jeux vidéo. Genre, je sais absolument pas comment packager ce truc là et je suis persuadé que ça va bider comme jamais, mais j'ai envie de faire une vidéo sur les forêts de jeux vidéo. Voilà. Et un jour, le pas par sortir, j'ai rien à foutre. Mais... mais voilà Oui, il y a un truc à faire. Il y a un truc, il y a un à, truc faire. à faire. Les lacs des jeux vidéo. Voilà, Les, montanes, voilà. les, les cailloux. Les <laughs> routes. Les, ca... les textures de cailloux. Les textures de cailloux. Euh, alors, question de Béag j'espère que je n'écorche pas ton pseudo. Euh, ça, que toi, ça. alors petite question. Après ces belles évolutions, euh, merci. Que penses-tu de la chaîne principale a-t-elle l'image de ce que tu souhaitais créer, euh, de gros projets à venir Merci et bon courage. Euh, salut berg et merci à toi. Euh, en cinq ans, le contenu a énormément évolué. Euh, nul doute qu'il évoluera ensuite parce que je ne suis pas du tout la même personne que j'étais il y a cinq ans. Ça, enfin, je dis il y a cinq ans, 5 ans c'est rien dans une vie, mais pour moi, c'est fou à quel point. Ça, pour moi, c'était une autre vie quand j'ai créé la chaîne. J'étais aussi, bon, à l'époque, j'habitais à Bordeaux, euh, j'étais dans une situation, j'étais étudiant, euh, j'étais en histoire de l'art, enfin voilà, c'était vraiment, vraiment une autre vie pour moi. Et nul doute que bah, dans cinq ans, euh, dans, dans cinq ans supplémentaires, je serai une autre personne dans une autre situation et le contenu évoluera euh, aussi en, euh, en conséquence. C'est pour ça aussi qu'il y a des vidéos que je n'assume plus, en fait. Il euh, y a des vidéos. Alors, je ne supprime pas les vidéos. Les vidéos que vous ne voyez plus, qui disparaissent comme par magie, elles sont dans la playlist vieilles vidéos en non répertoriées. Donc, si vous voulez aller les, les checker, je, je le précise parce que j'ai régulièrement cette question. Euh, mais voilà, il y a des vidéos en fait qui me parlent plus du tout et qui ne reflètent plus du tout la manière dont je fais, euh, dont je fais du contenu. Euh, C'est peut-être le moment de parler de l'humour dans les vidéos. Genre, aujourd'hui, je regarde mes vidéos sur BioShock ou Bloodborne. Il y avait vraiment cette obsession pour le fait de, de foutre une vanne toutes les cinq minutes. Non, même pas toutes les cinq minutes, toutes les deux minutes. Parce que j'étais terrifié à l'idée que quelqu'un s'emmerde, alors que je parle d'Ainrand ou de, de, de l'objectivisme, etc. Je me suis dit, putain, si, si jamais je, je cite ça, les gens vont s'emmerder, vont quitter la vidéo. Et j'étais obsédé par cette rétention-là. Et du coup, je forçais un humour qui. Déjà à l'époque commençait à être désuet, mais qu'il est d'autant plus aujourd'hui. enfin faut aujourd'hui des vidéos que je peux plus regarder, que je peux plus, <laughs> je peux plus. Enfin, elle, elle, elle m'emmerde et régulièrement j'ai des commentaires qui me disent ah c'est cool, mais euh, t'as pas besoin de faire toutes ces vannes, tu sais. Et, euh, et ça, ça vient juste par le fait que j'avais terriblement peur. J'étais terrifié à l'idée d'emmerder les gens. Ça, ça fait partie d'une des évolutions pour répondre à ta question, Beac, euh, dont je suis le plus content, c'est-à-dire que aujourd'hui, oui, le ton général des vidéos est devenu un peu plus grave, un peu plus pompeux aussi, on en reparlera de ça euh, un petit peu plus euh, médiation vulga, euh, vidéo essai en fait tout simplement. Euh, mais j'ai la, la conviction en fait de m'être trouvé moi-même et d'avoir trouvé la voie que je veux véritablement donner dans les vidéos. S'il y a vraiment une évolution que je... Alors bien entendu il y a la qualité du montage euh, parce que je me suis formé sur le tas aussi mais euh, vraiment ce ton général c'est la chose dont je suis le plus fier et mine de rien euh, ça a aussi participé à son succès euh, à mon sens euh, pour répondre à la question sur les gros projets à venir il bah, y, y a toujours des gros projets à venir euh, on en reparlera de, de, du, du fonctionnement créatif de la chaîne enfin du fonctionnement du cycle de, de production euh, mais il y a toujours, toujours des choses très très intéressantes qui sont en planning et ça va peut-être durer le planning il va peut-être durer 4-5 ans mais euh, on finira par produire ça je vous dis pas ce que c'est vous le saurez euh, bien assez tôt voilà <laughs> la vidéo sur les forêts voilà <laughs> Évidemment. 3h30 euh, de vidéo essai sur les forêts de jeux vidéo. J'espère que vous êtes prêts. 3h30 de zoom sur des feuilles. Voilà, du, du traveling avant sur les feuilles de, de jeux euh, vidéo. Ouais, non, je, pour peut-être compléter ce que tu disais, euh, je pense que c'était nécessaire euh, d'avoir euh, cet atonnement au début et avec l'humour. Ça fait partie de la courbe d'apprentissage et, et quelque part de la recherche de l'identité de la chaîne même si on oui. avait une base solide, au début, on a testé plusieurs trucs et on était aussi, je pense, plus mainstream pour essayer de correspondre à ce qu'on pensait qui allait marcher plus que maintenant. Ça oui, fait oui. aussi un peu écho à ce qu'on disait à la question d'avant. Et au fil du temps, quand on a vu que ça plaisait aux gens aussi d'avoir peut-être un, un regard un peu différent, euh, et des choses sur lesquelles on n'aurait pas euh, parié ou en tout cas qu'on n'aurait pas osé pousser dès le début, euh, je pense que ça nous a conforté dans, dans le fait de nous dire bon bah en fait euh, les gens aiment bien quand ça parle aussi peut-être de d'analyse, euh, d'histoire de l'art, de référence. Euh, » et, et, et ça a fait de plus en plus partie de l'identité de la chaîne et aujourd'hui c'est totalement assumé. Vois, mais ouais. Je ne sais pas si dès le début on aurait pu avoir ça. Donc Même si je comprends que certaines vidéos du tout, tout début peuvent être un peu cringe et le mot est fort aujourd'hui. Il, il, oui. il fallait passer par celle-là ouais. pour, pour arriver à ce que ce qui est fait aujourd'hui. Ouais, mais c'est pour ça aussi qu'il euh, y a certaines vidéos que je veux refaire, en fait, tout simplement. Euh, notamment la vidéo sur Bloodborne. Euh, que, que, que je garderais, euh, parce qu'elle fait, en fait, la vidéo sur Bloodborne, c'est une vidéo qui, qui n'a jamais cessé de faire de vue, en fait. Elle a jamais atteint de plateau. Et du coup, je, je me refuse quand même à la, à la supprimer parce que les gens l'apprécient. Il y a des gens qui, qui me disent qu'ils reviennent à cette vidéo, ce, qui, ce que je trouve assez, assez dingue. Euh, mais c'est une vidéo que je ne peux plus voir en peinture. Et, et aujourd'hui, euh, je pourrais refaire j'ai l'impression que je pourrais refaire une vidéo sur Bloodborne qui part du même postulat, euh, par exemple, bah, analyser comment l'horreur de Bloodborne fon fonctionne fondamentalement. Mais je pourrais faire ça, je pourrais faire une vidéo tellement plus riche, tellement plus belle aussi, euh, avec un son qui n'est pas pourri, <laughs> avec un son de voix oui, qui n'est et... pas pourrave. Et, euh, et un de ces quatre, je vais, je vais finir par le faire. <laughs> et, et, et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est pas parce qu'un sujet est déjà abordé dans une vidéo qu'il est verrouillé à vie euh, pour nous. Euh, on peut parler du même jeu ou du même thème plusieurs fois, mais en abordant un angle différent, en prenant des exemples différents pour illustrer. Donc, euh, et oui, en plus avec le temps, comme comme tu disais, euh, la maîtrise est meilleure, euh, le, le contenu est plus plus poussé, plus approfondi. Donc, on peut tout à fait revenir sur. Enfin, on ne s'interdit pas. Euh, ouais. de revenir sur des trucs après on laisse peut-être un peu de temps passer pour pas non plus faire des choses trop similaires trop vite il faut pas que la chaîne mais, devienne euh... une chaîne from software non plus <rire> oui <laughs> c'est pas facile ça hein. oui <laughs> je, je, non, je, mais... je fais coucou aux copains de chez Game Next Door j'espère que vous allez bien <rire> aussi <rire> voilà, voilà. Mais, euh, mais voilà je pense que c'est il y a certains thèmes de toute façon qu'on peut euh, toujours euh, sur lesquels on peut toujours revenir voilà. oui bien Donc, sûr euh, euh, oui, oui. on s'interdit pas ça euh, ouais, question d'Opal. Euh, comment le travail est réparti entre Samuel et toi C'est quoi votre workflow pour produire un essai euh, Quelle étape Dans quel ordre euh, Comment choisissez-vous Quel sujet mérite d'être traité et quand Est-ce simplement basé sur l'envie pour les essais et le calendrier des sorties pour les vidéos Ou y a-t-il une autre réflexion derrière Alors, ça bah, regarde bien. un peu. Oui, vas-y. attends tu... Tu veux que je réponde Vas-y, 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 vas-y. Si, si tu veux, je, vais, ben, je peux commencer. Euh, bon, on a déjà un peu répondu dans les, euh, les questions précédentes. Euh, parce qu il, y a, il, y a, il y a un calendrier des sorties, quand même. Ouais. On essaye de se projeter au moins sur euh, là, voir les deux prochaines vidéos. Euh, et sachant qu'il y a, comme on l'a dit, les, les deux chaînes en, en parallèle. Et euh, peut-être sur la façon dont on répartit le travail. Euh, bah, les, les idées émergent généralement euh, de nos brainstorms, même si c'est toi qui les amènes euh, un peu plus. Euh, c'est toi qui as souvent l'idée des, des jeux dont, te, dont tu veux parler et, et tu joues à beaucoup plus de jeux que moi, donc c'est aussi euh, logique. Et, euh, et après, euh, moi j'interviens surtout sur euh, la partie euh, écriture et euh, euh, mise en ordre. Des, ouais. des idées, conception du plan, conception des thèmes. Euh, Est-ce qu'on est clair Est-ce euh, qu'on est, -ce qu est euh, compréhensible Est-ce que c'est euh, suffisamment bien illustré Est-ce que c'est bien construit essaye en tout cas voilà d'avoir une écriture qui soit lisible parce que parfois il y a des sujets qui peuvent qui peuvent être assez assez deep mmh. donc euh, euh, je pense qu'on partage ça c'est euh, faut pas perdre les gens ou les ennuyer ou, ou, ou aller dans une direction qui serait qui serait pas la bonne tu vois donc voilà j'essaye de quand on écrit de garder une, une cohérence on va dire et, et après tout ce qui est partie technique là pour le coup c'est 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 complètement chez toi ouais euh, avant d'arriver sur les essais donc je, je, parce qu'elle a cité les vidéos euh, impression aussi euh, les vidéos impression pour le coup j'essaie aujourd'hui de nos jours de faire en sorte que ce soit des vidéos qui soient calquées qui soient calées sur euh, les sorties de jeu et de les sortir aussi proche que possible euh, de, de, la, de la date de sortie d'en faire un test en gros hein, de faire des vidéos tests qui sortent avec une clé obtenue en amont. Pourquoi Parce que euh, c'est un exercice qui est très intéressant pour moi. Alors, les vidéos impression, pour le coup, Samuel, toi, tu pas du tout euh, impliqué. Euh, oui, oui. Elles sont intéressantes parce qu'elles font grossir la chaîne d'une part, hein, parce que, bon, il euh, y a Star Wars Atlas qui va sortir bientôt, euh, Day One, bon, il y a les tests qui sont sortis, euh, bah, tu vas aller voir le test de Nostalgic, parce que tu aimes bien l'avis de Nostalgic, en l'occurrence, c'est mon avis, euh, et tu connais pas forcément la chaîne, mais vu que tu es dans ce flot, euh, de, 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 des tests qui sortent en même temps euh, dès que l'embargo est levé, euh, ça fait grossir la chaîne. Et ça attire un nouveau public, ce qui est toujours euh, sympathique. Mais sur le plan plus, je dirais, académique, c'est aussi intéressant comme exercice parce que ça m'impose quelque chose que je ne fais pas dans les essais, c'est de bosser sous pression. Euh, il faut savoir que, ben, attends, c'est quoi les dernières vidéos euh, impressions que j'ai faites euh, FF7 Rebirth, ça, ça compte pas vraiment parce qu'on a eu trois bonnes semaines pour le faire, donc ça c'était très confortable. Mais genre FF16, qui est un jeu qui demande 30-40 heures de jeu, on a eu, allez, même pas une semaine pour le faire. Et sachant que voilà, les vidéos impressions de chez Nostalgic, vous l'aurez remarqué, ce ne sont pas des vidéos dans lesquelles euh, je vais juste prendre quelques bullet points pendant que je joue. Je fais quelques captures à l'arrache, je mets un fond vert et rouler jeunesse, la vidéo elle est faite en trois heures. Non, non, il y a un texte qui est écrit, il y a un texte qui est relu, euh, il y a des captures qui sont réalisées pour ce texte. Il n'est pas exclu que je doive des fois relancer des saves ou relancer le jeu pour aller chercher des images dont j'ai besoin pour faire cette vidéo. Donc tout ça pour dire que ça m'impose de, de bosser dans des, dans des conditions qui sont assez, alors le mot est peut-être mal choisi, mais extrême entre eux, air quotes. Euh, et j'aime à croire que c'est aussi les vidéos impressions même si c'est pas le contenu que je dirais principal de la chaîne c'est un contenu qui me rend plus efficace au montage et à la production des vidéos des autres vidéos euh, donc voilà pourquoi je, je continue à en faire euh, et je continuerai à en faire je pense c'est quelque chose que je trouve très stimulant comme exercice pour les essais là on est sur un rythme qui est les essais ou les rétrospectives hein, on est sur un rythme qui est beaucoup beaucoup plus relâché et je pense que ça bénéficie beaucoup au sujet euh, donc si je devais euh, expliquer comment ça fonctionne généralement je trouve les sujets et je les mets dans euh, alors il y a un auteur dont je ne dirais pas le nom parce qu'il euh, a été euh, tout récemment euh, euh, il y a des choses plutôt bresson c'est un auteur que j'aimais beaucoup mais bon euh, qui, des choses plutôt bresson qui sont sorties sur lui donc je ne, je ne le nommerai pas euh, mais euh, qui parlait du bac à compost créatif et qui est une notion que j'aime beaucoup beaucoup euh, donc je, je, je choisis un sujet, je me dis ah ça serait intéressant de creuser, euh, je sais pas les forêts dans le jeu vidéo voilà. <laughs> je le mets dans mon bac à compost qui contient sans mentir des, une cinquantaine, soixantaine, soixante dix sujets potentiels. Euh, J'utilise Notion qui est un, un logiciel de vous pouvez absolument tout faire dedans c'est un logiciel de notes hein, fondamentalement. Euh, et pendant un moment, ça peut durer trois mois, ça peut durer six mois, ça peut durer trois ans. Il y en a qui, sont, qui ont duré trois ans et il y en a qui sont toujours dans le bac à compost. À chaque fois que je tombe sur quelque chose qui peut être intéressant, que je lis un truc qui est intéressant, un bouquin, que je vois des œuvres qui sont intéressantes, que je visite un endroit qui est intéressant, euh, que je lis un article qui est intéressant, je le rajoute dans le bac à compost, dans ce, dans ce petit bac, dans le bac. Ouais. Alors, donc ces sujets vont faire un bout de chemin. Euh, dans le bac à compost parce que je, ils vont grossir à mesure que je les enrichirai. Et mentalement, le fait d'avoir du temps et le, le fait de laisser décanter, j'aime bien ce mot de, décont, de décantation là, le fait de laisser décanter ces sujets va tout de suite euh, te permettre de faire le tri entre des choses qui méritent d'être gardées et creusées et des choses qui ne le méritent pas. Et ce qui fait que, bah, une fois, deux fois par an, je, je prends ma, je prends ma, je sais pas, ma, ma, pelle et je vais supprimer, je vais supprimer 25 sujets parce que je me dis, OK, d'accord, ils ont fait leur temps, ils sont là depuis six mois. Euh, je pense qu'au final, il n'y a plus grand chose à en dire. Les sujets qui restent là et qui se sont enrichis, euh, généralement, sont à l'état, je dis qu'ils sont bordéliques parce que euh, moi j'ai une manière de, 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 de réfléchir, une manière d'enrichir les sujets qui va vraiment dans tous les sens à chaque fois. Euh, c'est des espèces de gros magmas d'idées en fait qui ne vont nulle part. Et là où Samuel, parce qu'à ce stade, généralement as, tu, tu n'es pas intervenu. Euh... <laughs> oui, oui, je pas, les idées viennent de toi. Euh, oui, voilà. Alors, Après, oui, on, on discute, euh, on discute euh, voilà, tout au long du truc, mais je veux dire, euh, généralement ça, ça vient de moi et c'est là que Samuel va intervenir une première fois, c'est-à-dire pour. Euh, on va détailler les idées, et Samuel, on se connaît depuis très longtemps, on se connaît depuis le lycée, euh, ouais. on, on se comprend, et tu sais plus ou moins comment ça fonctionne là-haut. Euh, donc donc tu, tu, tu sais mettre de l'ordre dans, dans ma façon de penser, en fait. C'est là où cette complémentarité, je trouve, a toujours été très précieuse pour la chaîne. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, dans la, dans la cristallisation d'une structure et dans, ok, bah, telle idée, c'est primordial, telle idée, elle vient avant, telle idée, elle vient à la fin, euh, telle idée, on la jette, etc. C'est là que Samuel euh, fait le plus gros de, de, de sa contribution. Et on pourrait croire que c'est pas grand-chose dit comme ça, mais c'est extrêmement précieux. Euh, je pense par exemple à la toute dernière vidéo euh, bonus sur Shadow of the Earth Tree. J'aurais jamais, jamais été capable de pondre une vidéo aussi efficace en termes de durée et de structure euh, sans la contribution de Samuel, par exemple. Et euh... Stop it, you. <laughs> Mais c'est super, euh, super intéressant parce que je, je trouve qu'en fait, Samuel a, a, a cette façon de, de cartographier les sujets et de cartographier surtout le, la manière dont le viewer va rentrer dans un sujet qui, je pense, a fait les plus belles heures de la chaîne. Euh, et donc euh, c'est donc là-dessus que, là que ça, ça se fait. Après, du coup, y euh, il y a l'écriture. L'écriture, c'est généralement moi qui m'en charge. Éventuellement, s'il y a des co-auteurs, co-autrices, euh, c'est là qu'ils qu qu ou elles interviennent. Euh, au moment de l'écriture, généralement, bon, Samuel peut être, peut être amené à, à, à contribuer aussi. Il y a une phase de relecture. C'est là que Niels et Milan, euh, que je salue aussi, euh, interviennent. Euh, Nils et Milan qui ont leur métier, leur petite vie, mais qui relisent mes scripts. Euh, donc ça, c'est précieux aussi, parce que quand vous passez trois semaines à écrire la même chose, au bout d'un moment, vous ne voyez plus les erreurs, vous ne voyez plus les répétitions. Euh, et puis, vous dites des, des trucs qui n'ont aucun sens, <laughs> tout simplement. Donc, avoir ce regard extérieur, c'est encore une fois super, super bien. Euh, Nils et Milan, ils, ils ont aussi un rôle qui est assez critique sur les, les miniatures. Parce qu'aujourd'hui, YouTube te permet de, de tester, de uploader deux miniatures, et donc il va te dire au bout de quelques heures, euh, telle miniature marche mieux que telle autre, et donc tu peux choisir. Mais euh, jusqu'à, genre, il y a 3-4 mois, c'était pas le cas. Et donc, c'était un peu le rôle qu'il remplis, qu remplissait. Euh, Dites-vous qu'en fait, pour chaque vidéo, il y a 4 ou 5 miniatures qui sont produites et, euh, par mois, du coup. Et, et donc, bon, bah ils me disent, ok, d'accord, celle-ci a plus de chances de marcher, etc. Et puis après, il y a le montage, et le montage, pour le coup, c'est Bibi, c'est moi. <laughs> Les captures, le montage, euh, c'est vraiment... Le montage, ça peut être une activité qui est assez abrutissante. Euh, tout monteur vidéo qui se respecte le, le sait. Néanmoins, euh, avec le temps, et ça, on en reparlera juste après, euh, composer des images, composer des ambiances, travailler la musique, travailler l'audio. Tenter de créer ces véritables tableaux évocateurs qui servent le texte, qui servent euh, là où on veut emmener le viewer, c'est devenu véritablement mon, le, le truc qui me fait kiffer dans ce métier, véritablement. Euh, vous savez, il y a un truc que je disais à... Je ne sais plus à qui je, je le disais d'ailleurs dernièrement, mais c'était un collègue. Euh, techniquement, dans mon métier pour l'URSAF, je suis beaucoup de choses. Je suis auteur, je suis... Euh, Monteur, je suis euh, mixeur audio, enfin technicien audio, euh, je suis cadreur aussi d'une certaine façon. Enfin voilà, j'ai beaucoup de, de casquettes, beaucoup d'étiquettes. Euh, je me considère pas du tout comme un auteur. Je ne me considère pas du tout comme quelqu'un qui, qui est capable d'écrire des choses qui te font voyager ou quoi que ce soit. En revanche, je me considère euh, comme un technicien de l'image qui s'est formé sur le tas, hein, qui n'a jamais reçu de formation, mais. Qui essaye de manier l'audiovisuel pour transmettre des choses. Et ça, c'est quelque chose que je peux exprimer chez moi, que je peux exprimer ailleurs, euh, et qui me plaît. Enfin, quand, quand, quand une séquence émotionnelle fonctionne, euh, c'est un plaisir que je trouve absolument formidable. C'est quand tu arrives à transmettre une émotion comme ça, c'est formidable. Et, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'inspirent de cette façon de faire. Euh, encore une fois, ce qui est très, très, très flatteur. Et, et à côté, ta vraie formation dans histoire de l'art ouais. te permet aussi d'amener bah, ce nouveau regard, cette nouvelle analyse, d'aller piocher des références qu'on qu n'associait pas forcément euh, à certains jeux. Tu vois. Donc ça aussi, tu as réussi à, à, le, à le réallouer. Et c'est ce qui fait, je pense, aussi l'une des, euh, des forces de la chaîne. Mmh. Yeah, c'est marrant parce que ça répond un petit peu à une critique qu'on me fait souvent, euh, à savoir, euh, oui, oui, mais c'est pas parce que tu as montré euh, deux, tableaux, euh, deux tableaux de Rembrandt qui ressemblent vaguement à Breath of the Wild que le jeu vidéo c'est un art. Euh, c'est pas du tout la démarche. <laughs> bah, ceux qui disent ça, déjà, ils sont pas au bon endroit. Enfin, <laughs> oui. euh, il faut qu'ils aillent regarder euh, autre chose, je pense. <laughs> oui, oui, non, non mais c'est pas du tout la démarche et c'était un peu ce que je tentais d'adresser dans la vidéo sur l'art total. Généralement, celles et ceux qui font cette critique n'ont pas vu cette vidéo, donc allez la voir si c'est pas le cas. Parce que c'est pas du tout la démarche. Euh, mais, mais, et ça, on y reviendra aussi. C'est que j'ai une formation d'histoire de l'art. Alors, ça me sert, bien entendu, pour le fait de composer ces, ces images dans les jeux, etc. Pour, pour narrer au moyen du visuel. Euh, mais le truc, c'est que ma culture, elle s'est formée dans l'histoire de l'art. Donc, je ne peux pas faire autrement. Enfin, si, je pourrais faire autrement. Mais je veux dire, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime traiter. Euh, c'est naturel pour moi d'aller chercher. De la référence d'histoire de l'art, de la référence de peinture, de, de sculpture, de film, et, et j'en passe, de, de, pour euh, euh, analyser le jeu vidéo. Et je pense que c'est ce qui est aussi ce qui a créé euh, euh, bah, l'identité de la chaîne. Ça ne veut pas dire que enfin ça serait simplifier un peu le propos de certaines vidéos, notamment celle sur l'art total, que de dire que ouais, bah, le jeu vidéo c'est de l'art parce que ça ressemble à des tableaux non non et ça serait enfin du coup regardez cette vidéo parce que je suis en train de refaire le, le raisonnement mais euh, ça, serait, ça serait très limité de penser comme ça bien sûr. Alors, on peut se servir d'autres formes d'art pour interpréter différemment les jeux. Oui. C'est aussi, aussi le cœur c'est aussi le cœur de la médiation de la démarche de médiation et du vidéo essai. Hein c'est euh, de, 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 de comparer des choses, de faire de, de l'inter.. Euh, de, 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 du métatexte euh, en gros, de, de vraiment euh, faire se parler différentes disciplines artistiques et différents courants et, et de faire euh, communiquer les esthétiques, etc. Est, euh, et puis c'est quelque chose que j'aime faire tout simplement. Ouais. voilà Bref, puis on est... <laughs> qui sommes-nous pour dire ça c'est de l'art, ça c'est pas de l'art enfin, <laughs> Ce serait un peu euh, extrême. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bref. <laughs> euh, ouais ouais on a un peu euh, divergé sur celle-là ça fait une heure qu'on parle Dupont... pas... <laughs> Et ça passe vite hein, ça passe vite Léo, tu... Léo Dupont demande salut comment crées-tu les plans magnifiques qu'on peut voir dans tes miniatures intro à outro je suppose que tu utilises des outils de caméra custom euh, comme ceux de Franz Bouma est-ce euh, que tu travailles aussi l'image de ces plans au montage ou même en changeant des paramètres in-game euh, salut Léo Alors, il euh, y a plusieurs questions dans ta question, donc je vais les traiter dans l'ordre. Alors oui, il m'arrive d'utiliser, ce n'est pas, pas le cas tout le temps, hein, mais il m'arrive d'utiliser effectivement des caméras tools, ce qu'on appelle des caméras tools, notamment ceux de Franz Bouma. Pour celles et ceux qui ne suivraient pas euh, les caméras tools, en fait, ce sont des modes photos extérieurs, ce sont des modes pour des jeux. Euh, typiquement, c'est ce que j'utilise pour faire mes images dans Elden Ring, par exemple, euh, qui permettent... Hmm, de faire ce que fait un mode photo, mais d'aller fondamentalement beaucoup plus loin. C'est-à-dire que vous pouvez programmer euh, des, 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 des voies que va suivre une caméra dans l'espace. Vous pouvez aller voir, vous pouvez traverser les murs, euh, faire du out of bounds euh, et, et faire des choses qui sont autrement plus cinématiques que euh, qu'un mode photo classique. Donc, ça, euh, ce sont des choses qui sont, euh, qui sont très variables de jeu en jeu. Hein. France Bouba, il en fait pour beaucoup de jeux, de jeux mais c'est pas. pas euh, genre, si vous parlez de Breath of the Wild par exemple. Là, il va falloir euh, aller chercher d'autres choses qui sont euh, euh, un petit peu plus obscures, un petit peu plus confidentielles. Euh, mais, euh, mais quand j'en trouve, ça me permet de faire des choses qui, sont, bah, qui différencient aussi le contenu beaucoup et qui me permettent d'aller chercher des visuels euh, qui ne sont pas communs. Donc il y a ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a certaines vidéos, par exemple la prochaine euh, rétrospective, je ne vous dirai pas ce que c'est, <laughs> sur quoi elle est, mais vous le savez en vrai. Euh, si, si vous avez. Euh, Uh, if you pay attention, uh, vous le savez, il um, y a certaines situations et certains sujets dans lesquels se restreindre au gameplay et slash ou au mode photo de base peut être une contrainte qui rend la démarche de capture intéressante. Donc tout dépend du sujet, à vrai dire. Des fois la contrainte peut être intéressante visuellement parlant euh, de ce point de vue là. Voilà. Euh, et puis il y a aussi pour répondre à la deuxième partie de ta question de l'étalonnage euh, en, en poste donc euh, dans dans le logiciel de montage où je vais retravailler la couleur de manière plus ou moins subtile euh, je vais rajouter du flou ça et là où je vais faire un point sur quelque chose euh, donc ça c'est quelque chose que j'aime faire aussi c'est quelque chose que je découvre vraiment ces dernières années pour le coup c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout euh, j'ai eu beaucoup de conseils qui m'ont été donnés notamment euh, par des potes euh, qui, qui sont dans l'étalonnage professionnellement et là, pareil. Je veux dire, c'est très bien de rajouter de la saturation et du contraste sur des vidéos, mais qu'est-ce que tu veux dire avec ça euh, Généralement, j'essaie d'avoir, j'essaie de transmettre quelque chose. Par exemple, et là, je vais, là, vous allez capter tout de suite. Ça, c'est ceux qui n'ont pas compris de quoi la prochaine vidéo allait parler, mais euh, je vais faire toute une rétrospective sur une licence dans laquelle les couleurs bleues et les couleurs oranges sont extrêmement importantes du point de vue des mécaniques de jeu, du point de vue du gameplay, du point de vue de la, euh, je dirais, de la, de la fantaisie dans laquelle on veut inclure le personnage qu'on joue. Euh, et du coup... Je... Évidemment, Portal. Bien sûr. <laughs> c'est pas bête dit comme ça, mais c'est pas Portal. <laughs> mais c'est pour ça que je dis ça. <laughs> oui, oui. Mais, mais du coup, euh, eh ben, je suis en train de, de travailler la couleur de cette euh, rétrospective de façon... À ce que les gris ou les couleurs qui sont froides, les noirs, les, les couleurs des désaturées, etc., tendent un petit peu plus vers le bleu, et que les oranges, les rouges, les couleurs chaudes, etc., tendent un petit peu plus vers l'orange. Ce qui fait que ça crée une, une ambiance particulière qui, euh, qui sert cette espèce d'ambiance de, de dualité dans euh, le contexte de, de ces jeux-là. Et, euh, et, et je trouve que qu'il voilà, y a eu intention de réalisation derrière. Alors, bien entendu. Euh, il faut pas que ça gêne trop les gens à un moment donné je veux dire, sur la vidéo Bref of the watch je m'en suis rendu compte mais, euh, mais voilà c'est en fait tout est une question d'intention quoi euh, et, et je crois qu'on a fait le tour. <laughs> et euh, la dernière question euh, déjà qui est revenue plusieurs fois euh, donc les gens demandent d'où provient le terme décès et si c'est un moyen de se donner un air faussement intelligent. Alors ça, je l'ai rajouté oui, sur. Complètement. <rire> <rire> Sinon, bah, on percerait pas. Hein, <laughs> euh, je, je plaisante évidemment. Euh, alors bon, ça, ça, je l'ai rajouté sur le conducteur parce que c'est vrai que c'est quelque chose. C'est pas nécessairement dans les questions autour des FAQ, mais c'est quelque chose qui revient souvent dans les commentaires ou dans les les, les gens qui ne m'aiment pas ou qui qui n'aiment pas le, le contenu. Euh, c'est cette, cette référence aux vidéos-essais et au ton général des vidéos, euh, c'est quelque chose que, qui me tenait à cœur, de, dont je ne parle jamais, hein, je, je réponds très rarement à ce genre de truc, mais je pense que c'est intéressant quand même d'en parler dans le contexte de, de cette FAQ-là, euh, de, de, de la raison du fait qu'on appelle ça des essais, et de pourquoi on a choisi ça, et du ton général des vidéos, en tout cas tel qu'il est depuis, depuis ces dernières années. Euh, alors déjà, le format vidéo-essai, euh, en anglais, existait bien avant que Sam et moi en arrive sur YouTube. Il euh, n'y a aucune volonté de faire plus intelligent qu'on ne l'est. Même si, on le sait, hein, le mot est connoté d'une certaine façon euh, en français. Euh, les essais de montagne, etc. Ce n'est pas du tout ce qu'on essaie de faire. C'est littéralement le nom du format qu'on a traduit de façon littérale. Le vidéo-essai, l'essai vidéo. Essai, essai vidéo. Euh, pour moi... Euh, qui ont regardé énormément lorsque lorsque j'ai créé la chaîne euh, le vidéo SS c'est un angle de réflexion c'est une perspective qui est fondamentalement originale qu'on transmet par le biais d'une démarche de médiation et c'est pour ça on, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur le, sur l'histoire de l'art et, 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 et le et, et euh, comment dire la peinture etc euh, moi j'ai été formé à ça c'est-à-dire que on allait euh, je le disais dans un podcast chez la l'ami il y a peu euh, on nous a formé quand j'étais en fac d'histoire de, de l'art à aller dans les musées et euh, durant les journées du patrimoine, par exemple, euh, à euh, aider les gens à rentrer dans, un, dans une œuvre d'art, euh, se tenir devant un tableau, et qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui est intéressé, on lui dit Ok, d'accord, bah, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Euh, et. Et si tu ressens quelque chose, ok, bah c'est peut-être parce qu'il y a une utilisation de cette couleur que ce bleu utilise du lapis lazuli, euh, tel pigment, du coup c'est particulièrement profond et c'est un bleu dans lequel tu peux te perdre et c'est pour ça que ça te donne cette sensation, etc. C'est cette démarche de médiation-là euh, qui est pour moi au centre de ce que je fais aujourd'hui, en fait, mine de rien, euh, donc euh, ça ne vient pas de nulle part. Et pour moi, c'est ça le vidéo-essai. Euh, mais... <laughs> Il <laughs> euh, y, y a, et je peux comprendre que ça soit reçu comme ça, une façon d'écrire chez Nostalgic, c'est ce qui est ma façon d'écrire hein, fondamentalement, et une façon de parler, une façon de s'exprimer, une façon d'appeler de, bah, ça des essais qui a tendance à se dire Ok, d'accord, bon, bah, ces mecs-là, ils, ils essaient de faire euh, comment dire De se donner un genre. Ouais, 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 ouais. Et en fait, c'est drôle parce que bah, toi, tu me connais depuis très longtemps, Sam, euh, on m'a toujours fait cette réflexion. <laughs> oui 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 c'est pas un personnage hein. <laughs> <laughs> c'était un personnage à l'époque où je forçais l'humour dans ma vidéo parce que je me trouvais chiant et, euh, et, et quand je dis que j'ai trouvé en fait ma vraie voix c'est que j'ai en fait retrouvé une façon d'écrire une façon de, de, de lire une façon d'interpréter le texte coucou Nicolas Sarkozy pour Audible euh, euh, qui, qui est raccord avec quelque chose que je fais beaucoup plus naturellement qu'avant en fait il euh, y a, y a un, un essayiste américain qui s'appelle Noah Caldwell-Gervais qui, qui fait des vidéos de 7 heures sur, de <laughs> sur des licences comme Resident Evil ou, euh, ou Les Souls, etc. Euh, c'est pas le plus gros vidéo essayiste. Hein. J'ai une grosse passion pour Jacob Geller, par exemple, qui est une, une de mes références. Mais ce que j'apprécie avec Noah Caldwell-Gervais, c'est qu'il n'y a aucun montage, il n'y a quasiment aucune musique. Euh, par contre, il est conscient du fait qu'il a une écriture qui est particulière, une voix qui est particulière. Et il joue là-dedans à, à 120%, à 150%. Et il y a des gens qui le haïssent pour ça, parce qu'il a une écriture, qui est, une diction qui est extrêmement littéraire. Euh, il a des références aussi. Enfin, ce ce mec-là, il est pour le coup d'une intelligence et d'une expression. Culture. Il a un phrasé et une culture, notamment de la culture américaine. Il a fait toute une vidéo sur euh, euh, les, les autoroutes américaines et la licence Fallout, qui est juste passionnante. Euh. Et en fait, il a tellement assumé qui il était depuis le début que ça donne quelque chose qui est extrêmement particulier, qui peut être reçu comme quelque chose de pompeux et de, de, de pas. Il le dit lui-même dans sa dernière FAQ, de, de, de pas intéressant. Mais pour qui réceptionne ce avec l'esprit ouvert, en fait, qui est tellement, tellement bien. Alors, je suis pas du tout. Euh, J'ai pas la culture de dans laquelle gervais J'ai même pas la prétention de faire des vidéos qui sont intelligentes. J'ai même pas. J'ai pas. On n'a pas. On n'a jamais eu, à vrai dire. La prétention de faire des vidéos plus intelligentes que, que les vidéos de n'importe qui, euh, à vrai dire. Et il y a quelque chose que j'ai toujours dit vis-à-vis -vis du montage, vis-à-vis -vis, euh, des images qu'on fait, etc. C'est que, avec suffisamment de temps et de, et de détermination, n'importe qui peut faire ce qu'on fait sur Nostalgeek. Vraiment, j'ai cette conviction-là. Euh, parce que, que j'ai pas reçu de formation, j'ai pas reçu de, 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 de comment dire, il euh, y, y a personne d'autre qui monte mes vidéos. Voilà, c'est que du tas, c'est que des choses que j'ai appris sur le tas. Euh, je pense pas qu'il y, y, qu y ait cette prétention là, euh, à vrai dire. Je sais pas ce que tu en penses, ça, mais je veux dire, vraiment, en fait, pour moi, euh, dire que les vidéos de Nostalgie que euh, se prétendre être plus intelligente que la moyenne, c'est quand même passer à côté de ce qu'on essaie de dire à l'intérieur et c'est s'arrêter à la forme sans Vouloir être méchant, <laughs> oui, oui, et peut-être qu'effectivement des gens le, le perçoivent comme ça, et c'est dommage, tu vois. Et c'est certainement pas volontaire. Et je pense, bah oui, effectivement, tu l'as dit, tu as un style d'écriture très littéraire. Bah après, tu vas pas renier qui tu es, tu vois. Et en plus, avec le temps, l'évolution de la chaîne, si je full le circle par rapport à la première vidéo, euh, ce style s'est affirmé. Ouais. Ouais, donc euh, ce, ce serait euh, quelque part renier euh, euh, qui tu es ta façon de travailler que d'essayer de changer ça et je ne sais pas si ce serait une bonne chose euh, et ensuite il euh, a le c'est assez inhérent au format lui-même je trouve que nostalgique donc toi quand tu parles dans tes vidéos tu es immédiatement une posture euh, presque de de prof euh, ou en tout cas de d'un personnage qui transmet un savoir littéralement et c'est le but de la chaîne, tu vois, ça a toujours été, euh, depuis le début pour le coup, de, de parler des jeux vidéo euh, en essayant de transmettre quelque chose, une lecture différente, mmh, oui, euh, une ouais. association à d'autres médias auxquels on ne pense pas forcément. Parce que si on parle des jeux pour dire ce que tout le monde a déjà dit, il n'y a aucun intérêt. Oui, clairement. Euh, et, et on n'est pas... Euh, je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus, des experts euh, du gameplay, de la technique, euh, de c'est bien optimisé, machin. Euh, on joue avant tout pour, bah, je pense, nous aussi, pour apprendre et découvrir des trucs. Ouais. Et, et là, toi encore plus que moi, euh, d'aller en profondeur sur les sujets, de vraiment les étudier, les analyser, parce que bah, c'est une passion. Et encore une fois, sans la passion, je pense que ma <laughs> chaîne ne serait plus là aujourd'hui. Et. Et la passion, si on la garde que pour soi, bah, c'est un peu triste. Donc l'idée, c'est aussi de la partager. Et, euh, et tant mieux si ça plaît à des gens. Et fatalement, ça ne plaira pas à tout le monde, euh, à la fois sur la, le fond et sur la forme. Et c'est OK, c'est tout à fait OK. Tu oui. vois, il euh, y a pour tous les goûts, euh, surtout sur des sujets comme, euh, comme les jeux vidéo à notre époque. tu vois. Euh, a, je pense qu'il y a tous les styles possibles dans le traitement de ces jeux-là euh, sur YouTube. Euh, et donc après, c'est chacun choisit ce qui lui plaît. Donc si nostalgique peut au moins euh, plaire à, à quelques viewers euh, qui en ressortent en ayant appris des trucs en disant putain j'ai bien aimé, bah le but est atteint. Ouais ouais, c'est une bonne synthèse. <laughs> je sais Merci. que alors je, je, je sais que avant qu'on qu termine cette vidéo, je sais que peut-être dans cette vidéo j'ai répondu à certains trucs. Peut-être que je me, en que je me plains un petit peu. Um... Il y avait des comptes à régler là. Dit, <laughs> je vais appeler la vidéo. J'ai des choses à vous dire. <laughs> 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 euh, euh, c'est pas, pas le cas. Et, et, et quand je reproche entre gros guillemets des choses à, 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 à des gens, c'est vraiment pas méchant de ma part. En fait, c'est plus des observations avant tout qu'autre chose. Euh, mais c'est juste que. Bah, typiquement, derrière ça, je pense qu'il y a aussi des gens qui s'interrogent véritablement. Par exemple, voilà pourquoi ils appellent ça les essais. Et c'est vrai que de loin, bon, j'appelle ça des essais, les essais de nostalgie. C'est vrai que ça fait un petit peu pour peu sur le, sur le, dans la forme, voilà. Mais c'est juste, juste qu'on a, a repris le format, c'est tout. <laughs> Et en même temps, euh, voilà, on, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça autrement. Ouais, bon, il y, a y, y en a vraiment. qui appellent ça... En français, il y en a qui appellent ça analyse, tu vois. Mais l'analyse, pour moi, c'est différent du vidéo-essai. Euh, l'analyse quand tu appelles une vidéo analyse coucou esquive la boule de feu euh, c'est que tu vas te lancer dans un descriptif euh, exhaustif des mécaniques d'un jeu pour voilà si tu appelles une vidéo analyse il y a quelque chose de très monolithique derrière tu vois c'est à dire que tu vas dire ok bah, je vais analyser tout le jeu et pour moi, ça c'est euh, la différence, c'est une différence fondamentale avec le vidéo essai qui est un angle, qui est une perspective bien précise, qui est qui pinpointe quelque chose de très précis, tu vois. Oui, oui, en tout cas sur la sur la chaîne Nostalgic, c'est vraiment le but. Mmh. C'est bah, ce sera jamais exhaustif sur aucun jeu. Oui, besoin. Et, et c'est aussi ce qui nous permet de reparler de certains sujets avec des angles différents parfois, euh, mais d'aller en profondeur sur cet angle précis. Euh, et, euh, et oui, il y a Certainement des, euh, des points de beaucoup de jeux euh, que les gens ne retrouveront pas dans les vidéos, euh, mais soit parce que ça a déjà été traité ailleurs et on n'aurait pas de valeur ajoutée, euh, soit parce que ça nous a moins touché, si ça mmh. peut arriver. Euh, et, et je pense que pour qu'une vidéo euh, fasse écho au public, il faut aussi qu'elle nous plaise, oui. qu'elle te plaise <laughs> avant tout. Ouais, ouais. ouais, ouais. Bref, bah, je pense que. Enfin, je ne sais pas si tu as d'autres choses à évoquer avant qu'on avant qu termine cette vidéo. ça <laughs> enfin, C'est audio, pour le coup. Euh, non, je pense qu'on a été, euh, <laughs> contrairement aux essais, assez exhaustifs. <laughs> Alors, euh, non, écoute, à part dire merci et rendez-vous dans cinq ans. <rire> <rire> pour les un million, voilà. Non, non, pas du tout. <laughs> on ne sait pas, non, non. On verra, on verra. Euh, oui, ben merci, merci infiniment d'être là, euh, vous tous, vous toutes. Euh, merci pour le soutien, encore une fois, qu'il soit petit ou grand, euh, parce que parce qu'on en a pleinement conscience. Un nostalgie n'existe que grâce à vous et euh, et donc voilà. Merci d'être aussi nombreux. C'est franchement, très franchement inattendu. <laughs> Je... En plus que ce soit, c'est ça qui est dingue quand même. Quand tu penses, c'est une vidéo sur Signalis qui nous a fait franchir la barre. C'est un très beau symbole. C'est Oui, c'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. D'ailleurs, si vous n'avez pas fait Signalis, j'espère du fond du cœur que vous n'êtes pas. Euh, si vous aimez la, la SF un petit peu dark euh, et les, les vieux Resident Evil, j'espère que vous n'êtes pas fait spoiler euh, Signalis à cause de ma vidéo et que du coup, vous êtes allé le faire parce que c'est un jeu qui le mérite. Euh, et, et voilà, et c'est un bon mot de la fin, je pense donc euh, merci beaucoup de m'avoir accompagné Samuel euh, l'homme de l'ombre merci à toi <laughs> toujours de... un plaisir voilà l'homme de l'ombre de la chaîne et puis euh... c'est plutôt confortable de faire les FAQ comme ça maintenant que j'y pense hein genre en audio bah, c'est avec... un format qui, qui reviendra ouais voilà on a qu'à se dire ça passez une excellente je sais pas quand je vais publier ça euh, fin de semaine week-end je... maintenant passez un excellent maintenant euh... Prenez soin de vous. Et merci encore. Et euh, à très bientôt sur les internets. <laughs> Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, celui-là. <laughs> Allez, ciao.